belle frappe. À la volée peut-être. Mais il passe devant avec ce but. Oh, c'est magnifique. Je crois qu'il va vraiment falloir le marquer de près aujourd'hui. Ça fait deux buts déjà pour son compte personnel. On verra peut-être mieux ce qui s'est passé hein, sous un autre angle. Et le contre qui part à 100 à l'heure. Jérémy Ménez. Et le doublé. Et il n'avait pas encore marqué. Un succès de nouvelle couleur. Et ici le doublé. Les joueurs de la Sémillon qui se montrent impitoyables dans ce match. Et ce sont de redoutables compétiteurs. On a vraiment l'impression qu'ils sont capables d'accélérer à tout moment. Ce but, eh bien, on est encore un exemple. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Marseille qui reste à ce jour la seule équipe française à avoir remporté la C1, la Ligue des Champions. Ah, ça change de loin, et c'est dedans. Ah, il en faut de la puissance pour marquer d'aussi loin. Il a vu une petite ouverture et il a choisi de frapper de loin et c'était la bonne solution. Ah, il avait un petit peu de champ devant lui, il a bien fait de prendre sa chance. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Il cherche Ibrahim. Ibrahimovic. Le Paris Saint-Germain qui marque. Oui, c'est son deuxième but. C'est son deuxième but. Il va peut-être en marquer un troisième, pourquoi pas. On revoit ce but sous un autre angle. Oh, il n'a rien lâché là sur cette interception. Bien joué. Oh, également servi. Attention. Oh, le tir. Attention, c'est pas terminé. Ça joue. C'est pas là qui est contré. Et ça file en corner. Rose. Le gardien qui. Oh, il va pas attendre le rebond. La volée. Oh, il y est.